Ancien pilier du service public, Laurent Ruquier arrive sur BFM TV dès le lundi 25 septembre à 20h pour présenter le 20h de Ruquier avec Julie Hamet. Dans une interview à venir sur Télé Loisirs, il réagit aux futures audiences de son programme d'actu. Le grand saut dans l'inconnu. Dès le lundi 25 septembre à partir de 20h sur BFM TV, Laurent Ruquier arrivera sur la chaîne Info pour prendre les commandes du nouveau rendez-vous d'actualité le 20h de Ruquier, qu'il co-présentera du lundi au jeudi, pendant une heure, avec Julie Hamet. Dans une interview à paraître lundi sur Télé Loisirs, l'animateur se confie notamment sur la fin houleuse de sa collaboration avec France Télévisions et sur quelle époque. Présenté par Léa Salamé où il refuse de venir en tant qu'invité. Il est aussi interrogé sur son objectif d'audience sur sa nouvelle chaîne. Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier a-t-il une clause d'audience sur BFM TV ? Première information, Laurent Ruquier affirme ne pas avoir de clause d'audience sur BFM TV. Je ne sais même pas quelles sont les audiences sur BFM en ce moment à cette heure-là. Je ne suis pas un accro de l'audience, j'aime qu'on donne du temps aux choses, assure-t-il. Et de déplorer, les journalistes jugent toujours trop vite les émissions. Ils sont souvent contredits par les faits dans les semaines ou les mois qui suivent. Laurent Ruquier cite pour exemple l'émission Affaires conclues, présente depuis 2017 sur France 2 et successivement présentée par Sophie Davant puis par Julia Vignali depuis la rentrée. Au début, Affaires conclues n'était pas un gros succès sur France 2 et on a lupi que pendre sur le sujet. J'ai vécu exactement la même chose avec On ne demande qu'à en rire. Pour reprendre une expression politique, il faut donner du temps au temps, souligne l'ancien pilier du service public. Laurent Ruquier en concurrence avec Pascal Pro sur CNU, notre objectif, ce n'est pas spécialement de lui enlever des téléspectateurs face à lui, sur CNU, l'animateur aura pour adversaire Pascal Pro, qui présente l'heure des Pro 2. Mais pour moi, il n'est pas mon seul adversaire, estime Laurent Ruquier. Il n'y a pas d'adversaire dans ces métiers-là, un jour vous êtes sur une chaîne, le lendemain vous êtes sur une autre. Il précise encore, entre 20h et 21h, c'est un carrefour où il y a beaucoup de programmes différents. Il y a un important potentiel de téléspectateurs et chacun essaie d'en tirer parti. Notre objectif, ce n'est pas spécialement d'enlever des téléspectateurs à Pascal Pro. On essaiera d'en enlever un peu partout pour en gagner un peu de notre côté. Mais personne n'est visé spécialement.